imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education and improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need, when Iran is finally free and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Est-ce que ça signifie qu'il croit possible Vous cette savez, hypothèse? Euh, le message est beau, personne peut le contester. Mais je pense que venant de ce personnage, le message n'est pas recevable. On entend quand même ce discours venant d'un homme qui à date a date d'aujourd'hui à peu près cinquante mille morts sur les bras dont d'après les experts, les deux tiers des civils. 42 000 morts en, à Gaza, 2 000 morts au Liban, et on bombarde la Syrie, on bombarde la Cisjordanie, on bombarde Gaza, on bombarde le Liban. Je ne pense pas que ce soit le bon vecteur pour la communication, un message de paix. Et puis, Vous ça voulez dire, la dire que la population iranienne a ça en tête Non, je pense que la population iranienne déteste la personnalité de Netanyahou, comme d'ailleurs toute la population de tous les pays arabes. Hum. Ne pensez pas qu'elle n'est yaou... ne pas joui d'une popularité dans le monde arabe. Ah, interroger le les... les Jordaniens, interroger les Libanais qui hum. subissent les bombes, interroger les Syriens. Tout le monde arabe. C'est la même chose dans le monde perse. C'est ce que vous nous dites. L'Iran est un peu différent parce qu'il n'y a pas de détestation envers Israël. Il a raison quand il dit que le peuple iranien et le peuple israélien sont des peuples anciens. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous retournez vers vers Isaïe 45, le seul personnage qualifié de Messie qui n'est pas un juif, c'est l'empereur de Perse. Cyrus. Si vous regardez vers Esther, l'impératrice d'Iran était une femme juive. Donc l'Iranien n'éprouve pas, si j'ose dire, de l'antisémitisme à l'encontre d'Israël, évidemment. Mais l'Iranien, en même temps, aime son pays. Donc il voit ce qui s'y passe. L'agression, entre guillemets, d'Israël à l'égard de l'Iran ne datera pas de demain ou d'après-demain ou de ce soir. Israël a quand même une, une histoire d'attaque à l'encontre de l'Iran. Rappelez-vous, l'assassinat de la République islamique d'Iran. L'Iran et la République islamique d'Iran, pour l'instant, c'est la même chose. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, la République islamique d'Iran dirige l'Iran. Le régime euh, de Netanyahu a assassiné des scientifiques iraniens dans les rues. Ils ont. Tenter à mou moult reprises de saboter les installations iraniennes nucléaires, mmh. avec Stuxnet notamment. Donc l'Iran a déjà subi des frappes israéliennes d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous vous à un moment quand on regarde la question, quand on veut identifier d'où vient l'escalade, mmh. euh, le même Netanyahou a menacé de mort, si vous voulez, le guide. Le simple fait, tel que vous l'avez indiqué, que le guide iranien cherche à se protéger contre une attaque, veut dire que dans leur esprit, dans la perception des Iraniens, mmh. euh, Netanyahu chercherait à assassiner mmh. un chef d'État. Sauf s'il si craint un traître. Euh, les traîtres, si vous voulez, ont toujours été là, sont oui. là en Iran, comme il était présent en Israël. Il y a un ancien ministre israélien qui a été soudoyé par les Iraniens, il a été arrêté euh, il y a quelques années. Les traîtres, ce n'est pas ça ce qui manque, hélas. La réalité, c'est même pas ça. La réalité, c'est la perception. Que les Iraniens, avec le pouvoir qu'on leur attribue, ils ont pris un risque avec les frappes d'hier, parce qu'ils savent qu'il va y avoir. Des représailles en retour venant de ce gouvernement israélien qui n'écoute pas les Américains. Combien de fois est-ce que le secrétaire d'État américain mmh. aux affaires étrangères s'est rendu au Moyen-Orient pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza Presque dix fois. Donc ils ont pris un risque Ils ont pris un risque parce qu'ils n'avaient pas le choix. Si le gouvernement iranien ne réagissait pas de cette manière, toute sa crédibilité, vis-à-vis -vis de ces fameux proxys ce que vous avez mentionnés, serait anéantie. Comment voulez-vous que ceux qui vont demain personnifier le Hezbollah allaient croire dans la capacité de l'Iran de le défendre s'ils ne réagissaient pas Les Israéliens ont quand même assassiné dans. À Téhéran, même quelques heures après que le président du Hamas, euh, Ismail Hani, ait rencontré le guide et assisté à l'inauguration du président iranien, ils l'ont assassiné dans un endroit sécurisé. Mm. Plus tard, Nasrallah, plus tard, les 20 dirigeants du Hezbollah. Donc, euh, le choix est clair. Euh, commentaire, réaction, oui. questions. François, puis Dominique. Euh, euh, D'abord, moi, je, je vous suis volontiers en ce qui concerne la résilience du régime iranien. Hein, euh, ça fait des dizaines d'années que cela dure. Ça ne durera pas éternellement parce que rien n'est éternel. Euh, c'est un petit peu comme la fin de l'Union soviétique, qu'on se doutait qu'un jour elle disparaîtrait. Euh, mais euh, quand elle a disparu, tout le monde était surpris. Et pour l'Iran, ça risque d'être pareil. Mais c'est sur les conséquences de l'Iran nucléaire hein, que je voudrais m'attarder un tout petit peu. Euh, il y a bien sûr euh, le ricochet. Euh, par rapport à la politique euh, israélienne, qu'a résumé euh, fort bien euh, Dominique. Mais un autre ricochet qui lui avait été évoqué par Jacques Chirac en 2005, mm. parce que la question se posait déjà en 2005. Il disait, ce euh, je paraphrase, mais je pense que ma paraphrase est assez proche de la réalité, euh, nous ne, nous, nous, euh, 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 ce n'est pas tant la relation nucléaire entre l'Iran et Israël, que je craindrais, disait-il, parce que la dissuasion mutuelle existera peut-être, mais c'est le fait qu'au Moyen-Orient, l'Égypte, l'Arabie saoudite euh, et la Turquie s'empresseront d'acquérir l'arme nucléaire. Et alors imaginez le Moyen-Orient. Avec quatre ou cinq puissances okay. nucléaires. Et alors là, vous vous dites qu'effectivement, l'avenir de l'humanité mm. euh, n'est pas exactement radiosé. Et c'est oh, pour cela, notamment. Mm. Que c'est un pour parler anglais, c'est un game changer. Mm -hmm. euh, 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 vous demandiez, mais, mais finalement, comme c'est une assurance vie, c'est pas grave. Euh, euh, ce on va que continuer ça avant. Ah non, mais le Moyen-Orient il, 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 il est bouleversé. Oui. Non, deux, trois points rapides. Le, le premier, euh, pour poursuivre sur ce que vient de dire François, euh, Israël se sent en position de force, mm. ce qui peut être un danger. L'Iran est plutôt en position de faiblesse. Euh, L'axe de la résistance est presque devenu un axe de l'impuissance, au moins dans la perception de la communauté internationale. Un point d'accord avec vous sur le nationalisme. Euh, L'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jean-David Lévite, racontait une réunion qu'il avait tenue à, de, à New York avec des juifs iraniens qui souhaitaient que l'Iran possède la bombe. Oui. Et ça l'avait surpris. Un point peut-être de désaccord ou nuance avec vous, il fut un temps où l'Iran n'était pas sur la défensive au point de vue du terrorisme. Nous le savons trop bien en France. Dans les années 80, un certain nombre euh, d'attaques sur notre territoire ont été liées. Euh, à la République islamique. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la guerre entre l'Irak et l'Iran. Mais je pense que cette tradition euh, n'a pas cessé complètement. Un mot conclusion Juste si vous là, sur le nucléaire iranien. Le pouvoir iranien actuellement n'a pas d'autre choix que d'effectuer un essai nucléaire euh, souterrain dans un désert iranien. Parce que dans leur esprit, c'est la seule chose qui va garantir l'intégrité territoriale et la survie du régime. Ils ont vu que Saddam n'avait pas la bombe nucléaire. On a vu ce qui lui est arrivé. Ils ont vu ce qui est arrivé en Libye à Kadhafi. Ils ne veulent pas subir le même sort. Et puis le danger de la bombe nucléaire iranienne n'est pas qu'il y ait une bombe qui tombe sur Israël. Les Iraniens, malgré leur nature théocratique, sont quand même un peuple rationnel. Ils voient en fait qu'en retour de la bombe iranienne, il y aurait 300 ogives nucléaires dont dispose Israël. La crainte de la bombe nucléaire iranienne pour Israël, ce n'est pas la bombe en tant que telle. C'est que dès lors que l'Iran aurait la bombe, et je crois qu'ils sont à quelques jours de la voir, s'ils des l'adhésion politique de la voir. La fuite des élites en Israël, ce qu'on constate aujourd'hui, ceux qui ont les doubles passeports, ceux qui ont des actions dans les start-ups mmh. américains, sur le Nasdaq, n'ont pas envie de vivre dans un pays où tous les soirs il y a l'alarme qui sonne, où le Hezbollah, le, le Hamas et l'Iran quittent. <coughs> les pays de la région seraient obligés de se positionner autrement par rapport à Israël, dès lors qu'il y aura un Iran nucléaire. Et puis surtout, le Hamas, Hezbollah et les autres proxys iraniens dans la région se comporteront autrement s'ils savaient qu'il y a un pays nucléaire derrière eux. Oui. – Merci beaucoup euh, Maître Amir Merci Tlani à vous. merci de un... m'avoir invité. Merci.